Chers amis internautes, bonsoir, bonjour. J'ai pas le moral. C'est tout, hein, il y a des jours. Ce monde est une tôle, une prison à ciel ouvert. Hein. On est tous des détenus. On est là. Alors évidemment, sur scène, je vais jouer encore un peu de petit espace de liberté d'expression, mais pour combien de temps? Bah ouais, j'ai envie de gueuler ce soir. Alors on vit, on est là comme des cons, on consomme au rythme des injustices, des humiliations. Oh, je me plains pas, moi j'ai 46 ans, ça va, 46 ans, je me considère comme un ancien, hein, on a ses petites habitudes. Cellule, le parloir, on fait son temps, puis c'est tout. Vous me connaissez, moi je suis bout en train, hein, bout en train du bâtiment F, comme on l'appelle. Ah, j'aime l'ambiance, je suis un braqueur de rire, moi, c'est mon truc. J'ai toujours aimé le braquage. Ah, ben, je suis un spécialiste, hein. Aucun coffre-fort ne me résiste. Le casse du siècle, c'est moi, ben la Shoah. Je suis ananas, je suis abricot, touche à mon cul si ça fait de la musique. Ça a fait marrer jusqu'à Téhéran. Et pour les faire marrer, les mollas, accroche-toi. Ah bah, moi j'ai un pote molla, là-bas, il s'éclate sur des chants religieux, le mec. Donc il m'a invité dans une soirée de molla. Si t'as pas fait une sieste, tu repilles. Enfin bon, bref. De toute façon, moi j'avais pris perpète dans cette prison d'ici-bas, un peu comme vous. De toute façon, ne rêvez pas, vous êtes tous en perpétuité jusqu'à la fin. On s'en sortira pas, faut rigoler, faut être bon joueur. Hein. Faut faire semblant d'y croire. Moi, je me mets devant ma télé, j'y crois, non. Mais plus c'est gros, plus ça marche. Par exemple, dimanche dernier, 13 millions de connards, en effet. À regarder le retour de DS. Mieux qu'une finale de Coupe du Monde de football. Hein. 13 millions, vous êtes fous, quoi. C'est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai rebaptisé cette soirée l'Empire contre-attaque. DSK en maître Jedi, Dominique Skywalker, hein, le messager de l'Empire, en mission pour nous guider vers le côté obscur de la force, évidemment. Moi, il faut qu'il revienne. Il faut que Dominique revienne dans la course. Putain, on a besoin de toi. Pour les prochaines élections, vous savez, moi, normalement, je devais voter Biquette. D'ailleurs, j'ai regardé l'émission de dimanche avec Biquette. Elle était devant la télé avec moi. Ouais, mais dès qu'il est apparu, Dominique... Elle a crié, enfin, elle a crié dans le... Elle s'est tirée, je crois qu'il lui a déboîté le caisson. Mon avis, il a dû être méchant, parce qu'elle avait la larme à l'œil. Mais bon, si on la retrouve, moi, c'est pour Biquette, a priori, que je vais voter. Hein. Moi, je pense que dans un monde sans morale, il nous faut un homme sans morale. C'est Dominique, c'était lui. D'ailleurs, l'Empire ne s'y était pas trompé. Ils nous l'ont présenté comme étant celui qu'il nous fallait. Hein. D'ailleurs, la morale, il l'a dit. Hein. Il a dit, oui, il a accepté la faute morale, une grande faute morale. Bon, pas d'honneur. D'ailleurs, Martine l'avait dit, hein, il faut laver l'honneur de Dominique. Non, on touche à rien, Martine, t'es fou, quoi. Déjà, il va falloir frotter. Et puis, je veux dire, Martine, qu'est-ce que tu fous? Déjà, ferme-la, Martine. Non, Martine, j'en veux pas. Non. On va voter qui pour la prochaine élection présidentielle? Dis-moi, les gars. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a Dominique. Martine, attends. Déjà, il faut qu'elle choisisse entre la politique et la cortisone. À ce rythme-là, dans 6 mois, elle fait 500 kilos, Martine. Et Sarkozy, on va pas voter Sarkozy. De toute façon, il va finir son mandat en prison, le mec. Comme Al Capone, il a exactement les mêmes manières, le mec. Il va finir comment? Non. À part Biquette, je ne vois que Dominique. Cette capacité extraordinaire de se foutre de la gueule du monde sans trembler du menton. Attends, avec les petites mains, comme ça, il était extraordinaire. À brandir son truc. Hé hey! Le juge a dit, j'ai rien, c'est l'autre, c'est une salope! Ah non, c'était messianique. C'est l'envoyé. Pour moi, c'est presque comme Jésus. Enfin, de l'autre côté, quoi. De toute façon, il était l'élu avant même les élections. Je vois pas pourquoi il serait pas après les élections. Hein. Donc moi, je vais vous demander simplement, pour que DSK soit notre président, je vais vous demander simplement de prier ensemble. Prions pour que Dominique vienne à nous, soit notre président. Reviens pour nous sauver, Dominique. Gloire à toi, Lucifer, au plus haut des cieux, et gloire à ton messager, DSK, le bien nommé. Je vous demande de simplement de vous en référer au psaume. Alors, pour que la France redevienne riche et prospère... Reviens, DSK, et guide-nous sur le chemin de la haine. Pour une plus grande liberté d'expression sexuelle et pour le droit au viol des plus humbles. Reviens, DSK, et guide-nous sur le chemin de la haine. Pour que le mensonge l'emporte à jamais sur la vérité. Reviens, DSK, et guide-nous sur le chemin de la haine. Pour la destruction de toutes les religions... et au profit de la secte des droits de l'homme et du FMI. Reviens, DSK, et guide-nous sur le chemin de la haine. Et enfin, pour qu'Israël soit à jamais le centre de l'univers. Reviens, DSK, et guide-nous sur le chemin de la haine. Amen. Reviens, Dominique. Pour nous. Pour le diable. Pour Lucifer. On a besoin de toi.